Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, un épisode de construction, chers amis, où on va essayer de se faire un petit heal efficace à base de ceci. Alors attendez, je vais le trouver, c'est ici, c'est là, voilà. C'est là, et donc à base de ceci ou de ceci, on verra bien le moment venu comment ça va se faire, peut-être même de ça en fait. Vu qu'on les a après tout. Pourquoi s'embêter? Ok. Si je place l'autre, il y a moyen que je le place serré, oui. Voilà. Parfait. Donc on pourrait partir là-dessus, ce serait une bonne base. Ce qui veut dire cependant qu'on va devoir faire tout en double. C'est chiant. Hop. Voilà. Crac. Oui, mais sur une base, ça va être forcément très très moche aussi, ça. On verra bien, Hop. Ça va être très très moche. Ah, c'est dommage. Est-ce que je peux, par exemple... Alors là, ça ne voudra pas. Si je le mets comme ça, cependant, là, ça voudra. Voilà. Hop. Crac. Hop, parfait. Voilà. Et donc par principe, par pure beauté. Hop. Je vais laisser la crête apparente. Crac. On va essayer aussi d'utiliser un maximum de ces des différents cubes qu'on a à notre disposition, qui sont les nouveaux cubes. Ce serait sympa de pouvoir les mettre à profit. Normalement, là, ça devrait être bon, et je devrais pouvoir être en mesure même de placer ce genre de cube. Non? Non, il veut pas. Là, ici, par contre, je vais être en mesure de le faire, d'accord. Ok. Et est-ce que je peux, par exemple, en faisant ça ici, placer un cube de ce genre? Oui. Bon, parfait. Hop. Ok. Ça veut donc dire que je peux en placer un ici. Ok. Jusque là, ça me plaît plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Il faut absolument que j'arrive à placer en fait quelque chose. Ici. Voilà, parfait. Hop. Si je veux pouvoir être en mesure de continuer. On va reprendre du coup. Ici. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est bon. Hop. Voilà. Et donc, c'est celui-là. Il faut que je reprenne ici. Ok. Hop. Note. Pourquoi ça passe pas ici? Ça passe bien au-dessus. Ah non, ça passe pas. C'est moi qui raconte de la merde. Ok. Hop. Crac. Tic-tac, tu craques. Voilà. Hop. Normalement, je devrais être en mesure d'en placer aussi ici. Hop. Hop. Ok. Donc c'est bon. C'est bien ça, hein. Non, c'est pas ça. Hop.
On va reprendre les cubes, de toute façon on va faire ça au fur et à mesure. Hein. Crac. Ok. Cette fois-ci c'est bon. Là, ok. Et donc là, j'aimerais du coup replacer cela ici. Hop. Ok, ok. Ça c'est bon. Essayons de les garder les plus protégés possible. Et est-ce que je pourrais pas re-rentrer ça du coup? Non. Hop, ici j'aimerais du coup créer une excroissance. Potentiellement avec ces trucs là, non? Ouais, c'est mieux. Hop. Hop, voilà. Ok. Je peux pas les rentrer. Ouais, peut-être un petit peu. On va essayer de les rentrer d'un cran. Voilà. Je dis pas que ça va être moins dangereux par contre, hein. Moins fragile. Plus fragile, pardon. Enfin, oui, je dis pas que ça va être oui, plus solide plutôt. Mais bon, on verra bien le moment venu. Ok. Hop. Ok. Bon. Ça c'est bon. On a un côté qui va être fait entièrement. Hop. Au niveau du déplacement en tout cas, ce sera bon. D'ailleurs, faudra qu'on refasse des tests après ça. Et ça, vous vous en doutez sûrement. Ok, alors du coup, est-ce que ça passe ou pas? Ça passe, parfait. Hop. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je suis preneur de ça. Je suis preneur. Hop. Sur le principe, ça me va. Maintenant, il faut que j'arrive à le refaire là-bas. Hop. Parfait. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est très très bien. C'est très 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 bien. Hop. 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 Voilà. On va essayer d'enlever maintenant tout ça. Tant qu'on refasse de chaque côté, tout simplement. Hop. Si on peut en faire exactement la même chose, ce serait même parfait. Hop. Ok, et ici ça va être très très simple à refaire normalement. Hop, voilà. Parfait, oh là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Robocraft, j'ai les yeux qui pleurent. Hein. J'en ai refait une il y a pas longtemps, mais c'est tout. Hein. Ça me fait ça qu'avec Robocraft, c'est rigolo. Mais enfin, ok. Ça me semble bon. La partie supérieure me semble bon aussi. Et la partie inférieure, forcément, il y a des choses à rajouter. En espérant que ça passe. Hop. Ok.
Donc on va re-rajouter maintenant à nouveau les électro-shields. Hop, on va pas mettre les deux d'ailleurs. Hop. Voilà. Ok. Donc on est plutôt bon. J'ai plus qu'à... Hop. Redonner un petit coup ici pour rendre le principe. Hop, voilà, et on est propre. Est-ce que je dois rajouter à nouveau le petit truc au-dessus? Nope. Nope, nope, nope. Par contre, ici, je rajouterais bien un petit truc. Petite ligne, déjà, pour commencer. Ok. Alors, est-ce que je partirais pas, justement, sur une partie, un renfoncement? Si. Allez, hop, on repart sur un renfoncement. Essayons de faire un truc à moitié esthétique, quand même. Donc, vous m'avez compris, hein, sans doute. Hop. Ou alors je fais un truc. Bah non, je peux pas faire un truc central en plus, c'est bête. Ce que je dis là est bête. Hop. Et là, je pourrais remplacer deux côte-côte. Je pourrais en placer deux côte-côte. Intéressant. En même quatre. Hop. Ok. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Ok. Bon, maintenant, comment je fais pour reboucher le bout? Comment je rebouche l'avant? Je pensais partir avec ce genre de choses. Je ne sais pas trop comment ça se place, à vrai dire. Ah, je pourrais pas... Ah, d'accord. Je ne pourrais pas recentraliser la chose. D'accord, j'aurais donc un demi-cube au milieu. Ah, c'est vexant. C'est incroyablement vexant. Mais bon, c'est pas grave, je suis d'accord. Ok. Ok, je vais avoir moyen de faire quelque chose de toute façon. De corriger le tir, si on peut dire. Si on peut dire, si on peut dire, si on peut dire. Hop. Voilà. D'accord, je peux pas les mettre l'un à côté de l'autre. Ça ne rentre pas, oui. Hop, de toute façon c'était moche. Faut être honnête, c'était moche. Ok. Ok, ok. Hop, ici du coup... Je corrige certaines erreurs visuelles. En essayant aussi au mieux de corriger aussi tout ce qui sera présent par la suite. Voilà. Crac. Vous savez que j'aime bien faire des robots qui ont un minimum de gueule, même si j'ai pas j'ai plus le premium malheureusement.
Et je pense que, par principe... Oula, ça c'est pas prévu. Tu peux revenir à ta place, merci. Par principe, on va devoir se rajouter encore, vu qu'on sera un petit peu à l'avant. Quelques... Hop. Voilà. Hop. Ici, je peux remettre des cubes de ce genre. Ok. Est-ce qu'un cube comme ça passerait? Non. Est-ce qu'un cube comme ça passe? Oui. Hop. Ici. Ça, ça passe. On en profite donc. Hop. Ok, donc non. Hop. Ok. On refait pareil en dessous quand même. Crac. Ok. Hop. Si tu me fais un déplacement qui est pas choisi, qui est pas accepté, machin bidule truc de la mort qui tue là, ça va pas le faire. Hop. Ok. Est-ce que je devrais pas justement à l'avant? Tenter quelque chose de ce style. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux? Hop. Ça passe pas ici. Ok. Si je passe comme ça, ça rend comment? C'est peut-être pas plus mal. Attendez, non, ça passera pas comme ça. Bah écoutez, on peut partir sur un truc comme ça. Sur ce genre de motif, si je puis dire. Hein. Hop. Voilà. Bon, c'est pas trop moche. Je reconnais que je suis plutôt satisfait, à vrai dire. Je suis plutôt satisfait. Alors maintenant, il y a tout l'arrière à refaire. Pour tout ce qui est propulsion. Hop. Et là, il y a du boulot. Hop, déjà ça, c'est fait. 925 seulement, on n'a pas mis d'armement, hein, donc pour l'instant ça va. Et on pourrait peut-être en mettre un petit peu, ce serait peut-être pas plus mal. Les îles. Hop. Ici. Ok. Est-ce que je devrais pas... Merde. Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu du tout. Est-ce que je devrais pas essayer de rentrer les armes comme ça? Est-ce que c'est possible au moins? Est-ce que c'est possible seulement? Ici, pour ce genre d'arme-là, non. Ce genre d'arme-là, je n'en doute pas non plus. Ah, ça aurait pu passer sur des armes comme ça. Intéressant. Intéressant, intéressant.
Ils auraient fait un autre type de gameplay, ça aurait été cool. Dommage que j'en ai pas plus, parce que je les ai toutes supprimées à tous les coups. Forge, ça coûte combien ça? Ouah, 10 000! Ou alors ça, tiens. J'en ai acheté deux, allez, je craque. J'en achète deux. On en a pas encore jusque là. On n'a pas encore eu. Et c'est pas avec notre chance de drop actuelle qu'on va réussir à en avoir. Hop! Tic tac, tu craques. Ok. C'est un petit peu gros par contre. Hein. Du coup, je pourrais peut-être les mettre directement là. Hop! Dans quel sens? Dans ce sens-là. Hop! C'est joli, dis donc, ouais. Ça rend bien! Visuellement, ça pète! Hop! Et visuellement, ça pète, hein. Honnêtement, je suis assez fier de moi, hein. Non, non, visuellement, je suis fier de moi, là, hein. Visuellement, ça claque. Ok. Et donc, pourquoi pas rajouter devant? Par principe, ah bah j'en ai pas. Comme ça, non. Bah écoutez, non. Le jeu me dit non. Le jeu me dit non. Je pourrais pas en rajouter deux de toute façon. Ok. Le jeu me dit non. Bon. Donc, on va finaliser l'arrière. On va finaliser l'arrière. Crac. Essayons de faire quelque chose de sympa à l'arrière. Hop. Intéressant que celui-là vienne bien, veuille bien se poser et pas les autres. Ok. Donc celui-là n'est pas censé exister. On est d'accord, hein. Hop. Hop. Du coup celui-là il passe. Oui. Ah. Ce qui fait que visuellement on peut peut-être avoir un rendu plus sympa par le haut. Hop. Crac. Parce qu'en fait ici normalement ça passe. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc du coup je peux peut-être faire ça comme ça. Hop. Hop. Ok. Est-ce que visuellement je peux faire un autre truc avec ça? Non. Ici peut-être oui un petit peu. Celle-là qui voudra jamais, voilà. Hop. Voilà. Hop. Ici, ceci. Crac. Hop. Finalement, ça aurait peut-être bien rendu avec le truc au-dessus. Peut-être le remettre. Hop. Crac. Voilà. Attention, les CPU commencent à grimper violemment. Hop. Mmh.
Le pire, c'est que ça passerait, quoi. Regardez. Le jeu qui me dit non, ça ne passera pas. Moi, je lui dis si, ça passe. Et le jeu qui insiste. Hop. Ce qui me fera une couverture supérieure pour le... en cas de bomber, en fait. S'il y a un bomber, il viendra... il aura plus de mal à venir chercher mes boosters. Je vais arriver à parler. Hop. Ici. Parfait. Ok. Bon, alors là, il faudra reprendre aussi tout ce côté-là. Sur le principe, ça passe. Est-ce que j'en fais un en dessous? Non, il n'y a pas de raison. Ça va m'alourdir le vaisseau. Et c'est absolument pas ce qu'on recherche. Hop. Crac. Ok. On est bon. On est bon. Hop. Ok. Qu'est-ce que j'avais fait de l'autre côté, je m'en rappelle plus. Alors, comment j'avais dépatouillé mon truc. Exact. Exact, exact. Hop. 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 Voilà. Crac. Et enfin, on avait mis, voilà, ceci. Hop. Ok. Bon, ça c'est fait. Je pense qu'on est partant pour un petit test, hein. Ah, j'ai oublié des cubes ici. Ah ah. Ici, j'ai oublié ces cubes-là, apparemment. Ah, voilà, d'accord. Ok. C'est bon. C'est comme ça que c'était fait. C'est parfait. Ok, bon. Alors, on va faire un petit test et puis on va bien voir. Test. Comment fonctionne ce robot? Est-ce qu'il est viable en déplacement, en tir et en heal? Alors, en déplacement, il me semble viable. En heal aussi. J'ai du contact. J'ai du contact à l'avant. J'ai du contact à l'avant. Donc je vais devoir résoudre un problème de taille, littéralement. Alors, on a un problème de taille à l'avant. Ce qui fait que je vais tirer qu'à longue distance avec mes canons et pas à courte. Effectivement, j'aurais dû le voir venir. J'aurais dû le voir venir. Eh ben si, j'ai trouvé. En espérant que ça passe. Regardez. Regardez, on est trop bête. J'en ai acheté quelques-uns. Peut-être pas celui-là, mais peut-être plutôt celui-là, non? Hop. Crac. Qui me permet de tirer devant moi sans avoir de pépins. On va bien voir, hein. Si ça passe, vous aurez le droit de dire que je suis un génie. Et si ça touche en bas, bah écoutez, on fera autrement. Mais si ça marche, franchement, vous pouvez m'appeler Monsieur le Génie. Alors, on va bien voir comment c'est, ce que ça donne, comment ça rend. Oula. Effectivement, ça donne une forme bizarre au mode de déplacement. C'est
Très étrange. Ok, alors on va supprimer ceux du dessous. Ce qui va rendre le vaisseau assez moche d'un seul coup, hein. Autant être honnête, hein. Et pas autant n'importe le vent. Donc c'est pas bon au niveau du heal, ça passera pas. Ou alors j'augmente la taille de ce truc. Est-ce que je peux par exemple... Hop. Hop. Faire ceci. Est-ce que visuellement c'est viable? Bah, ça me semble pas si mal. Il y a moyen de régler ça, regardez. Hop. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Alors. Essayons. Essayons, essayons. Crac. Oui, parce que sur le principe, j'aimerais quand même garder un minimum de beauté dans le vaisseau, ce serait pas mal, enfin dans le robot. Hop. Ce serait un vrai plus. Ici, donc armement. Ici, donc ici, voilà. Au bon sens, s'il te plaît. Est-ce que ça va toujours gêner? Je pense que oui, honnêtement, je pense que ça va toujours continuer à gêner. On verra bien. Je vais remettre mes quelques cubes que j'avais oubliés aussi de ce côté-là. Enfin, que j'avais oublié de remettre, du coup. Suite à ça, alors. Est-ce que ça va être bon cette fois-ci? Je l'espère. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, il va me falloir un cube comme ça. Dans le bon sens, c'est un peu mieux, merci. Ok, c'est bien ça. Ok. Hop. Rendons ça viable visuellement, voilà. Sachant que j'ai des idées d'amélioration déjà, hein, pour ce robot. Hop. Enfin, des petites, tout est relatif, hein. J'ai quelques idées d'amélioration. Qui me viennent petit à petit à l'esprit. Alors, vais-je y arriver finalement? Parce que j'ai pas envie qu'en fait le bitonio ressorte. Je trouve ça moche quand le bitonio ressort. Ok, c'est pas dans le bon sens. Hop, c'est mieux comme ça. On refait un test. S'il y a contact, ça va encore tirer à côté. Bla bla bla. Ok. Alors apparemment, il faudrait que je rajoute peut-être un petit peu de... De comment de... Pas de propulsion, mais justement plutôt de comment de... D'aéroglisseur à l'arrière. Il semblerait que j'en ai pas assez. C'est bizarre, mais... Je veux bien l'admettre. Je veux bien l'admettre. Ça me pose pas de problème de l'admettre. Ok. Hop. Il y a toujours moyen, hein. Vous voyez ? J'avais pas continué le truc. Je l'avais continué pourtant. D'accord, bizarre. Bizarre, bizarre. On va dire que j'avais pas fini alors. Hop. Ok. Est-ce qu'il m'en reste deux? Oui, il m'en reste trois même. Parfait. C'est parfait. Est-ce que je pourrais pas même le rentrer encore un peu?
Hop. Hop, on va bien voir. Si ça passe comme ça, c'est vraiment génial. Par contre, je vois déjà, je pointe déjà une différence. Non? Apparemment non. Apparemment non. Bon, écoutez. Hop. Voilà. Voilà. Ok, on va voir si maintenant c'est plus stable. Allez. Croisons les doigts, serrons les fesses, ou serrez les fesses, croisez les doigts, ou enfin... ou serrez les fesses, serrez les doigts et croisez les fesses. Il me semble que c'est plus ou moins droit, là, non? Bon. Forcément, il va se baisser plus vite là où le poids est le plus important. Ok. Ça passe, il est valide. Je valide ce robot. Officiellement. Génial, génial, génial. Ok, cool. Bon, on n'aura plus qu'à aller le tester dans un prochain épisode. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dans votre lien en arrière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo, bien défaut. Hop, voilà. S'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Parfait. Salut.